Kate Middleton enlacée. Rare entorse au protocole pour la princesse de Galles. Ce jeudi 3 novembre, le prince William et Kate Middleton étaient en visite à Scarborough, dans le comté de North Yorkshire. Pendant son bain de foule, la princesse de Galles a transgressé le protocole royal en enlaçant un Britannique. Une princesse au grand cœur. Après avoir profité d'une petite parenthèse en compagnie de leurs enfants, William et Kate Middleton sont de retour aux affaires. Ce jeudi 3 novembre, le prince et la princesse de Galles ont fait une apparition surprise à Scarborough, dans le comté de North Yorkshire. Avant de visiter The Street, un centre communautaire de la station balnéaire, Kate Middleton s'est offert un petit bain de foule. Bienveillante et attentive à l'égard des Britanniques, la jolie brune a pris le temps d'échanger avec certains d'entre eux. Alors qu'elle faisait un sans-faute, l'ancienne duchesse de Cambridge a commis l'irréparable, comme l'ont révélé nos confrères du Daily Mail. En pleine discussion avec un septuagénaire, Kate Middleton a été surprise en train de l'enlacer et de prendre la pose à côté de lui. La mère des trois enfants l'a entourée de son bras avant de prendre une photo avec lui. Elle a également posé avec d'autres fans royaux, y compris avec une petite fille emmitouflée dans son manteau rose, a révélé le tabloïd britannique. Des gestes de sympathie qui ne sont pas tolérés par le très strict protocole. S'il n'y a pas de code de conduite obligatoire, les membres de la famille royale ne doivent pas aller au-delà d'une simple poignée de main. A révélé le site internet de la couronne. Cependant, Kate Middleton a souvent montré qu'elle était plus disposée à partager un câlin et un selfie avec des sympathisants. Les entorses au protocole ne se contentent que sur les doigts d'une main, Buckingham ne risque pas d'en tenir rigueur à la belle Kate. Kate Middleton. Sublime dans un total look camel. Malgré ce petit écart de conduite, Kate Middleton n'a commis aucun fashion faux pas. Pour cette nouvelle visite officielle, la princesse de Galles a offert une énième leçon de style. Adepte du bleu marine, la mère de famille a chamboulé ses habitudes vestimentaires en misant sur un total look camel. Une couleur tendance et automnale qui a mis en valeur son teint lumineux et sa longue chevelure brune. Véritable icône de la mode, la belle Quadra a jeté son dévolu sur le manteau long signé Max Co, épice de la saison. Déboutonné, ce par-dessus dévoilait sa robe pull dont une ceinture au cuir plus foncé venait marquer sa taille de guêpe. Soucieuse du moindre détail pour chacune de ses tenues. La belle-fille du roi Charles III a opté pour une paire d'escarpins vernis assortis à un mini-sac à main de mélier. Un ensemble élégant et raffiné à copier sans modération.